à un homme politique, comment réussir en politique ou en affaires grâce à l'innovation? Vous allez avoir la réponse à cette question avec la présentation d'un économiste, un grand entrepreneur, auteur du livre Investir et s'investir, un acte de foi. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'appeler l'honorable député Thierry Tardieu sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. D'abord, et j'aimerais bien entendu remercier les entités, les organisations qui ont pensé cet événement et qui l'ont rendu possible. Pour ne pas les citer, l'ATIC et le groupe Croissance de mon ami Kessner Farrell, un homme qui a souvent été en avance sur son temps. Pour ça, nous, qui moins jeunes, on se rappellera toujours que la caravane, c'était une caravane, oui, dans les années 90, mais c'était la caravane de l'alphanétisation du groupe Croissance. Moi, même quoi, vous avez fait, là. Vous avez fait. C'est un peu ça aussi. Quand on est en avance sur son temps, on parle de choses qui arrivent inéluctablement et qui méritent qu'on s'y attarde. C'est pour ça que je dis à grand pile bail qui dit là, mais jeune qui l'a yo, yo tande yo bien. Parce que yo ka paraît anodin, même rase. Mais gede bail là qui dit qui est extrêmement important. Est-ce que par exemple nous connaît là que deux tiers de timoun qui l'école kindergarten jodi a pour aller exercer son métier là au grand moun qui pou coexister. N'a répété deux tiers de timoun qui dans kindergarten jodi a pour aller exercer son métier demain qui pas exister jodi a. Donc faut nous ouvrir les yeux nous, faut nous ouvrir les oreilles nous. Faut nous intelligents, faut nous audacieux pour essayer de comprendre qui ça a passé dans le monde du numérique, dans la nouvelle économie, les nouvelles opportunités de métier et de carrière, les stratégies qui sont à votre disposition désormais pour nous capables de réussir dans n'importe qui ça. Moi-même, je me demande pour me parler sur un thème qui ne met pas à l'aise. Parce que un barin m'a parlé de moi, mais surtout c'est parce que son thème que m'était abordé en Guadeloupe il y a de cela un mois et demi. Le organisateur 5e sommet du numérique, de l'innovation et de l'économie disruptive, t'es gardé des statistiques sous élection législative qui était faite en Haïti. Il a réalisé que moi j'ai fait plus gros score dans tout le pays pendant que m'étais toujours dit que base électorale c'est dans section communale. Yo pas qu'à comprendre comment un candidat qui fait campagne li sous base d'une stratégie numérique capable un homme en série des haïtiens pareil li qui pas un téléphone intelligent. Donc c'est ça m'a développé. Et ça m'a expliqué, c'est qu'il n'y a pas de barrière aux nouvelles technologies d'information et de la communication. En fait, en pile monde, ouais, nous passons en pile temps à l'étranger, et mais c'est parce que nous avons réalisé que en pile nos amis, nos compatriotes, nos sénois, nos frères, nos cap vivent dans des zones rurales, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons mon oncle, nous avons ménage, nous avons papa. Il y a un maman qui parle avec eux, qui servent de modèle, qui vous écoute tous les mois, et qui dit qu'ils vous poursuivent pour de l'eau à couler et frais pour eux demain. Donc nous-mêmes, c'est stratégie ça que nous avons adopté. Nous avons une stratégie du numérique tournée vers les Haïtiens vivant à l'étranger et qui peut être fruit. Nous pensons que nous n'avons pas inventé rien, mais c'était important à le signaler. En fait,
L'homme dérivé Guadeloupe, moi j'étais très intéressé ouais comment Guadeloupéen yo t'es intéressé tout dans sa qu'a fait ici et me vinn remarquer que de ce point de vue là nous avant-gardistes tout parce que y a gardé nous en pile. Alors faut me dire nous que l'homme dérivé l'autre bois me débarrer avec Karel Pet. Et me débiter gros paletot sous moi, belle chemise, bah cravate et puis il me barre, je dis mon coup de bras là. Je suis bon, je viens de participer au sommet du numérique. Je dis, je ne vais pas mettre des maillots sous la baisse. Et puis, ce que me fait, je dis, je suis bien content parce que moi, j'ai un habillé là, je suis un homme qui parle lentement. Moi-même, je suis plus son homme qui semble vivre, puis à l'aise. Donc, alors, je me dis, ouais, avec nous, même l'âge, mais pas confondre, pas même mon âge, son grand monde, moi, je suis un nouveau jeune, pas oublier ça. On a pensé pour nous dire, en fait, ce qui est extrêmement important pour nous comprendre, c'est que quel que soit ce qu'on fait dans la vie aujourd'hui, ou pas qu'à minimiser l'importance de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ou pas qu'à minimiser l'importance des médias sociaux. Ça, je pense que en pile dans nous, qu'on est là, et en fait, il y a des exemples de succès que je garde dans la salle là. Des mouns qui peut-être un peu te comprennent ça bien à l'avance et qui utilisent yo. Ça veut dire que gagne un pile moun que m'pa konnen mais les gars de on est quoi Alain Barre Access Haïti ou bien Marc Henri Boussico ou bien après ça Henri Bossejour Juno 7 qui parle là Karel que m'parle de lui gagne un pile jeune garçon jeune femme qui comprennent que nouvelles technologies information et communication sont vecteurs privilégiés, c'est le plus facile et surtout c'est le moins cher. Et c'est l'âme d'arrêter de arriver avec nous parce que pendant que je fais un exemple sur une portion, une partie, un segment dans la stratégie que nous avons déployée dans la campagne électorale qui fait gagner avec un marge aussi importante, je dis que nous avons réussi à faire tout grâce à une stratégie aussi agressive, intelligente et audacieuse. Moi-même, j'ai deux autres frères. Il y a les Patrick, il y a les Fabrice. Mais c'est dans la mode. Yo travaille. Il y a une qui sont designer, il y a une qui sont homme d'affaires. Il y a de cela 15 ans, nèg monté yon compagnie rele Bogos. Li vinn une nan pi gros compagnie qui gagne aux États-Unis qui vend chemise tout partout. Pendant 10 ans, nèg bien mené. Bah normal. Et puis le marché de la mode a changé. Que nous vinn une situation côté tout gros département stock au gagne aux États-Unis et dans le monde. Yo vina passer d'une stratégie retail, donc vente en détail, à une stratégie numérique. C'est-à-dire, je dis qu'il y a plus de monde qui peut acheter sur Internet que de monde qui prend machine à un mall un samedi ou un dimanche. Automatiquement, tout business model qui est dans le monde vient changer. Et yo même tout, yo te vin une petite discussion entre yo. Est-ce que vous continuez avec une stratégie basée sur les points de vente? Ou bien est-ce qu'on va continuer avec une stratégie basée sur un aspect numérique beaucoup plus poussé vers, on est capable de dire, les médias sociaux. Et bien, comme il va arriver à Antonio, et bien, Fabrice Tardieu Tifrem, pendant qu'il était associé dans la compagnie familiale, là, il a ouvert propre compagnie PAL, propre produit PAL, Fabrice Tardieu. Pour ça, il y a un téléphone intelligent, on a gardé. Et bien, en un an, dans un bureau sous Brickell Avenue, avec seulement un monde qui travaille à mi-temps avec lui, un laptop avec un téléphone intelligent dans le mail, il monte un branding qui a gagné après 25 ou bien 30 ans de carrière business normal. Il réussit à créer tête un nom. Pour la vendre des produits, des souliers et des vestes qu'ap vendre à travers le monde entier. Et pour ça, nous qui capable gagner accès à médias sociaux, ou à regarder que gagner des grandes vedettes du cinéma ou du sport qui soutient pile côté pour aller well pour acheter produits lio. On grand jeune fait ça oui, li vendre image, li vendre un style, li vendre une vision, li vendre un rêve sans pas gagner trop cob dans poche li. C'est ça aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est agir vite, efficacement, avec audace, intensité, rapidité, avec très
très peu d'argent. Donc ça, c'est un exemple que je voulais partager avec nous, puisque je m'en dis parler des exemples de réussite en politique et en affaires. Je voulais prendre deux exemples concrets pour nous être capables de retrouver nous dans Samabdia. Alors, comme le temps nous fait la guerre, je pense que meilleur ça pour me faire à ce stade, c'est passer à la conclusion de l'intervention pour me privilégier probablement des questions que nous avons pour moi et que nous allons répondre avec franchise. En fait, ça moi-même, je remédie nous, c'est que le monde de demain est déjà là. En 2005, moi j'ai écrit un livre qui est l'avenir en face. Son analyse que m'a fait des défis d'Haïti face à la mondialisation et à la nouvelle économie. 2005, ça fait presque 20 ans. Et ça m'a dit là, yo, c'est des bagages que m'a écrit à 20 ans. Mais l'un d'a écrit, yo, un peu le monde pense que exagéré ou bien t'es trop loin. Et bien c'est même Jean-Jody en tout m'a invité nous surtout jeunes à regarder les nouveaux métiers du numérique. Les n'ap choisons voie dans la vie, pas arrêter simplement dans métier traditionnel que les lever la caille nous, papa nous, maman nous, marin nous, parrain nous, recommander nous. Grand pile document qu'on ka consulter. Moi même l'aime d'écrire en 2005, m'pa ka aller sur internet facile pour vendre tout ça me besoin. L'aime écrit premier livre moi en 1991, n'ap saluer présence Bonivier Claude ancien gouverneur Banque Centrale pour me vendre deux trois statistiques. C'est notre prix souple, mais le gouverneur, comme il est toujours ouvert aux questions capable du savoir et de l'écriture, il était toujours ouvert pour le bon moment. Je remercie un peu pour ça, gouverneur, où c'est un monde moderne et où c'est une incarnation vivante que la modernité n'est pas chita dans l'âge, il est dans l'esprit, dans la vision, dans l'idée. Et c'est ça qui est important. On a une moderne à 80, 90 ans, on a une archaïque à 20, 25 ans. Et moi, je suis regardé, je suis suspect là, je suis 20 ans, mais je suis suspect. Non, je l'ai voilà, c'était en essence, mes chers amis, les quelques mots que j'avais à partager avec vous en vous disant qu'il faut faire preuve d'imagination, d'audace, être en phase avec l'avenir et ne pas oublier que, au fond, il n'est pas question de réfléchir à quelle stratégie on peut avoir recours en matière de numérique pour réussir en politique ou en affaires. Il faut surtout se dire qu'il n'y a aucune réussite possible en politique ou en affaires sans une stratégie numérique qui vaille la peine, qui soit bien empruntée et surtout bien exécutée. Merci de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Oh, excusez-moi pour ma costume. Hein? Costume. Parle-toi à l'eau s'ouvrir. Regardez chance, moi. Il y a une plus belle dame. Monsieur, il y en a qui fait la coiffe, monsieur. Je vous écoute, madame. Très proche, même si je suis à Montréal. Et j'ai un peu employé les mêmes techniques que vous pendant que j'étais en élection parce que vous étiez très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que parfois être en politique, ça ne devient pas un peu dangereux les réseaux sociaux? Au niveau technique, parce que les posts qu'on fait, je l'ai vécu aussi. Et j'étais très, très présente pendant ma campagne électorale. J'étais en campagne électorale à Montréal. Arrivé à un moment donné, j'ai dû me tasser un peu. Est-ce que parfois, ça ne devient pas plus dangereux parce que je retourne en élection? Je veux savoir, je veux savoir si ça ne peut pas nuire pendant qu'on est en élection. Oui, je pense que vous touchez là à un problème fondamental. En politique, la stratégie du numérique peut être une lame à double tranchant. Il faut savoir utiliser un bon dosage
Par exemple, je suis quelqu'un de très dynamique avec beaucoup d'activités tous les jours. Là, c'est ma troisième activité. J'en ai deux autres encore. Je vais finir à 10h du soir. Et je les documente tous de façon vidéographique. Et on a une équipe de montage qui, les soirs, me disent « Qu'est-ce qu'on publie ?» Parce que le problème, c'est que lorsqu'on publie trop, même lorsque ce sont des activités intéressantes et positives, il y a le phénomène de saturation de la clientèle visée. Et ça, on ne le veut pas. On veut toucher les gens. On veut s'assurer que lorsqu'il y a un post, ils lisent, ils regardent, ils écoutent. On veut s'assurer aussi que le message traverse. Maintenant, le dosage dépend de chaque personne et dépend de sa base électorale. Trop de posts, trop de présence peut tuer l'information, mais en même temps aussi une absence de vente de ses idées, de sa vision, de ses produits, de ses actions, peut aussi être extrêmement néfaste à un candidat. Bon, je ne sais pas lorsque vous allez aller encore aux élections, si je serai encore député, mais si nous faisons bon négocier là, je vais conseiller pour la prochaine élection, non? Je vais négocier, ça après. Merci pour la question. Ok, et moi remercie et Jerita Dieu, un exemple de motivation, surtout pour jeunes. Et question pas maintenant liée à aller plus et dans domaine et affaires. Ou tu prends exemple tout à l'heure des petits frères qui étaient ensemble de parcours qu'ils étaient gagnés aux États-Unis. Pour un jeune par exemple et qui veut lancer en affaires, surtout activité de e-commerce, commerce en ligne. Donc si m'a considéré exemple côté prend sous frère Kogéan, on nous prend par exemple écosystème et économique et financière en Haïti, les pas même. Comment ou t'es parlé de agressivité dans le domaine de affaires, business, kay jeune, comment un jeune capable de manifester et type d'agressivité et type d'audace pour le capable de réussir en affaires, surtout avec question de nouvelles technologies. Et comment ça capable possible de nous considérer que l'accès avec le capital est souvent très très limité. Merci. Là, m'a parlé de agressivité et de audace, m'a parlé dans le bon sens du terme. Parce que même dans tout, moi, un pile jeune, yo fini quatrième année école et l'université, yo, yo beaucoup vraiment réalisé grand chose, mais yo kon manye téléphone intelligent, yo sur Facebook, y a surf le soir, et puis bon, soit en DA, y a fait des séminaires, y a fait des conférences. Ça, faut faire attention de pas tomber dans piège ça. D'abord, on jeune qu'on vécu pour gagner avant de présenter tout comme un modèle aux autres. Sinon, on va tomber dans le même piège de la médiocrité qui caractérise la société. En pile jeune, moi-même, nous-mêmes, nous avons chance nous actionner dans un hôtel qui accueille un pile événement, qui passait devant, mais puis m'a regardé. Et puis, nous sommes très proches jeunes, nous recevons un pile d'invitations. Mais des fois, ça compte faire la peine. Nous recevons des invitations pour des séminaires, des tables rondes, des symposiums pour le numérique, l'économie numérique, etc. Mais là, regardez, le contenu, les intervenants, c'est zéro, le message, souvent faussé. Et en plus, ils ont moins de payés. Donc ça veut dire que l'audace que m'a parlé de l'IA, l'agressivité, c'est dans le bon sens du mot. Ça, extrêmement important pour nous capables de comprendre. Alors, pour un exemple bien simple, moi-même, je pense que la politique, c'est d'abord une question d'image. Parce qu'on a des idées, des actions que l'on vend. Maintenant, il y a un gros déficit sur nos gouvernementales. Un pile jeune qui faut dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication, capable d'ouvrir des boîtes d'image et de gestion d'image de nos dirigeants, qu'ils soient du privé ou du public. Je vous invite à faire un exercice et à aller voir ce qu'offrent nos élites publiques et privées en termes d'image à travers leur site web, leur compte personnel ou professionnel. Ça veut dire là déjà, pour un pile dans nous, il y a possibilité pour nous créer. Ça veut dire possibilité pour nous capables offrir un service à un ensemble de monde qui besoin. Parce que c'est ça aussi, l'économie. Il faut offrir un service
à un marché qui est demandeur et non à un marché saturé. Et je pense que en Haïti, en politique, comme en affaires, le marché est demandeur et certainement non saturé. Monsieur Dim, je t'aime bidon malé. Merci à l'honorable député Jerry Taudieu.